Allez, salut à tous les amis, c'est Long to Play. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui. Et pour une nouvelle vidéo de Splinter Cell Blacklist. Alors, comme je vous ai dit, j'ai repris le Let's Play, hein. Ça, vous le savez déjà. Mais vous voyez, je fais des vidéos, on va dire, pas très très régulièrement. Mais là, c'est vrai que j'avais un peu zappé, là. Vu que je bosse, bref, j'avais pas trop la tête à... j'y ai pas pensé, tout simplement, hein, je l'ai oublié, bon, il faut le dire. Et du coup, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, je me suis dit, ah ouais, putain, je savais pas quoi tourner aujourd'hui, ben je me suis fait, allez, après le boulot, je rentre, paf, je me mets sur Splinter Cell, je me fais une petite mission, on filme ça et on commente, bim. D'autant plus qu'il faut que je termine le jeu, il faut que je termine le jeu et j'ai vraiment envie de continuer. Donc ce qu'on va faire, ben on va continuer tout simplement la campagne. Ouais, peut-être. Alors, est-ce qu'on va voir au niveau du matos si Charlie... Ouais, bref, non, on a déjà des trucs overpétés. De toute façon, on s'en bat les steaks. Alors, on va aller voir. On va jeter un coup d'œil à l'IMS. Voyons voir ça. Espace, voilà. Puis je me ferai les missions annexes, on va dire, les quêtes secondaires moi-même. Vous voyez, par exemple, comment il s'appelle, Briggs. Les missions de Briggs et. Comment ça s'appelle? J'ai oublié les noms. J'ai tellement de jeux avec des noms différents que c'est... Grimm, voilà. J'irai faire la mission de Grimm, de Briggs et de l'autre enculé, là. Pardon, excusez-moi, le méchant, là. Cobin, voilà. J'irai faire la mission parce que lui aussi propose des missions, hein. Il a des contacts, le bouc, quoi. Alors, vous voyez que là, on a pas mal de... Bah, vous voyez, par exemple, là, c'est une mission de Cobin. Alors, on va essayer de trouver la... Je pense que ça, usine désaffectée, Londres, Royaume-Uni, campagne solo. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Contre-espionnage, Fès, Maroc, trafic d'uranium. Ça doit être une mission multi parce qu'il y a un timer en dessous, 15h. Ouais, il y a un timer, ça doit être un défi avec Uplay ou une connerie comme ça, ça doit être en ligne. Bref, usine désaffectée déjà à Londres, ça m'intéresse. Donc c'est parti, on va écouter le petit débrief, enfin la radio. Rezanouri est trafiquant d'armes et courtier pour des agences non gouvernementales qui ont les moyens de se payer ses services. Nous l'avons déjà utilisé pour vérifier les clauses de résiliation lors d'approvisionnement de matériel de soutien pour certaines organisations. Il a toujours maintenu une neutralité prudente et a collaboré avec les deux parties. Nomouchar indique qu'il a commencé à travailler avec les ingénieurs il y a 2 ans. Tout ça est corroboré par des liens entre les dépôts sur ses comptes offshore et les activités des ingénieurs. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est compromis et nous le considérons comme faisant partie du camp ennemi. Il doit être exécuté à vue. Ok, mais y'a qu'à demander les mecs. Non, je déconne, en plus, vous voyez, j'ai un objectif, je dois capturer le terroriste en vie et le menotter, vous voyez, avec ce magnifique menotté. Je dois pirater les ordinateurs de la Blacklist et trouver les clés USB. Alors, sachant que c'est trouver les clés USB qui est souvent le plus difficile puisque c'est des mini, c'est des tout petits objets, enfin voilà, c'est galère à trouver. Donc, en gros, ça vous force à explorer un petit peu la zone dans laquelle vous vous trouvez. On va lancer le brief. Y'a pas une cinématique si. Voilà les infos que tu voulais sur Big Post. Merci. Tu sais, on serait pas obligé de suivre la procédure pour trouver Sadik si tu me laissais pirater le MI5. Alors ce serait l'incident Sadik, diplomatique, quoi. Et tu moisiras en prison pour le restant de tes jours. Ouais. Si on le fait en douce. C'est bien ça. Tu veux bien m'expliquer? Non. On a tracé tous les numéros de passeport que Nourit t'a donné. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds. De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que dalle. Que dalle. Je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Ça t'apprendra, bien vieux sac. London, London, London. Ouais, bon, on a compris, c'est à Londres. Putain de merde. C'est à Londres. Les ingénieurs sont à Londres. Et ouais, les mecs. Eh oui, bien joué, bon. Grimm. Ces types sont tous connectés à Sadik. Hey. Et entre eux. C'est fou, hein. C'est une cellule d'or. C'est génial. C'était... Elle a été réactivée. On la joue comment? Ah bah écoute, tu tires ou tu pointes? Écoute. Ah voilà, hein. Non mais en fait, non. Mission en attente, non, je m'en fous. Allez, c'est parti, on débute la mission. Il n'y a qu'une solution. Sans plus tarder, putain. J'ai une équipe cool. Oublie ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadik a fait partie du MI6. Et il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. On dirait qu'ils sont dans une usine désaffectée. C'est au milieu de l'eau.
Il y a plusieurs positions de sniper. Je vais trouver une solution. Charlie, tu vas l'aider. Briggs ? Je suis là. On a une mission. Ah ouais, tu surveilles tout ce qui se passe. C'est parti. Bah écoute, je veux bien. J'accepte. J'accepte. Dans les passagers 3, tu seras obligé d'observer avant de t'engager. Ah. Amène le trirotor, ça peut t'éviter quelques embuscades. Ah, très bonne idée. Bah écoute, trirotor, bah je l'ai même pas acheté en plus. 72 000 UAM adhésif. Bah écoute, on va dire que ce n'est pas l'argent qui manque avec 865 237 $. Je veux dire, oui, acheter et équiper sans plus tarder. D'autant plus que je peux neutraliser des ennemis avec ce petit joujou. Ok, bah je pense que c'est bon. Oula. Pardon. Je me suis étouffé. Quitter, lancer la mission. Allez, on est parti là, ça va envoyer du saucisson. Je sais pas si... Alors, on va peut-être s'orienter sur un gameplay... Ouais, on va essayer de faire au maximum furtif... Enfin, panthère... c'est quoi? Fantôme panthère, on va faire ça. Londres, Royaume-Uni, d'accord. Oh, ça c'est swag comme élimination. J'appuie. Ah, merde, c'était du snipe. J'ai l'impression que les graphismes sont moins bons d'un coup là, je sais pas pourquoi, ça doit être au fond, ouais. Et pourtant là, c'est beau, hein. Ah, on est sur la Tamise. Me dites pas que je suis venu en sous-marin, non? Non, c'est des bouées, je déconne. Le type. Ouais, je sais, moi je suis comme ça. Alors, on va se faufiler. Comment on fait pour se faufiler? J'arrive pas. Ah, il y a un Kleps. Alors les ça, c'est qui ont volé les passeports de nourrice sont planqués à l'intérieur. Oui. Et pourquoi il pleut tout le temps? En tout cas, Ouais, bon, la pluie, ça a un petit peu de... En tout cas... Ah, super. Sol. Franchement, le résultat au sol, c'est vraiment bien fait. Non, bien fait. Le toit, ok. Bon, on va devoir trouver une bouche d'égout. Probablement, on va devoir peut-être passer, ouais, je pense, par derrière, sur ce wagon. On va faire ça. Bon, il y a le sniper, ça va être tendu. Il y a le Kleps aussi, il faudrait éliminer le Kleps. Ah, regardez-moi ça, c'est animé, hein. On a un beau bateau, là. Ah, franchement, très beau. Les décors de ce jeu sont... ouais. Allez, monte. Ah merde! Putain, alors ça j'avais pas prévu. Vite. Non! Quel idiot! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Bon, allez, on va se laisser tuer. On va refaire. Ah, j'ai fait n'importe quoi en fait. Comme un con, j'ai appuyé sur la barre espace. Ce n'était pas voulu. Oh, regardez lui, c'est attention. Pouf. Oh oui, ça c'était beau. Putain, le mec n'a rien pigé. Bam, dans l'eau. Glisse gentiment. Donc je me suis complètement planté de touche. Bon, maintenant on va pas faire le... Donc déjà lui, hop. J'arrive pas lui. Donc, non. Putain. Les hommes qui ont volé les passeports de... Falloir que je retrouve ces touches. Donc, le chien... Voilà. Déjà, toi, tu me feras pas chier. Voilà. Je vois beaucoup d'activité au niveau du sol. Une lumière au moins. Reste la meilleure option. Oui, attends, deux secondes. Déjà, ce sniper de merde. Ah, il est bien caché, le salaud. Faudrait que j'arrive à me faufiler là-bas ou alors par derrière. Mais évidemment, je suis obligé de passer par cette plateforme. Allez, go. Je passe par derrière. Je peux grimper, rassure-moi, oui. Ok, là j'ai une couverture parfaite. Je vais pouvoir le contourner. Alors faut pas qu'il me voit. Paf, tac. Là j'ai peut-être un... À moins qu'il soit complètement barricadé, il y a peut-être moyen que je le tue là. On va essayer de s'avancer un peu plus. Ok, il vise en bas. Ouais, comment je fais? Ouh, ça c'était beau. Oh, ça c'était beau. Ça c'est un mec là-bas? Non, c'est une lampe. Ok, d'accord, mais comment je fais pour monter du coup? Est-ce que... Ah oui! Les tuyaux? Non, ah, non, pardon, ça ce n'est pas un tuyau, oui, ça c'est un pan de mur. Ok, alors... Okay, non, il n'y a que des pans de mur. Faudrait... Ah bah tiens, il y a un autre... Hey. Voilà, il n'y a qu'à demander, on va passer par les wagons, on va pas se faire chier. Tac. En tout cas, j'aime beaucoup, paf, cette map pour l'instant. Il y a des possibilités. Bon, évidemment, au niveau ennemi, c'est pas très fourni. Un chien et un sniper. Quoique, bon, vous voyez, c'était pas non plus. Bon, en même temps, je vais t'égorer de touche.
On va... Ouais, j'ai le... Enfin, le pistolet. Ah. Bon, et une vieille radio, on s'en fout. Bon, il y a le corps. Ok, super. Ah, est-ce qu'il y a moyen que je monte par là? Oui. Ouais, j'ai l'œil. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose ou non? Eh, le mec, j'ai le flair là. J'ai le flair. J'ai du flair. Alors comment tu vas monter ça toi? Si je monte par la gauche. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, tu vas pouvoir prendre le tuyau. Sinon, je pense que j'aurais dû me taper toutes les portes. Ah, cinématique. J'escalade le mur de l'usine. Briggs, tu me couvres? Ok. Position bravo atteinte. Oh, la classe, putain. Ouais, il y a un reptile dans sa combinaison. Qui déplace du matériel. C'est net. Sam, à midi. Ouf. Joli. Ça va? Joli travail d'équipe. Joli. Ah, j'avoue. Ouh, yeah. Que ton âme repose en paix. Je suis sur le toit. Wow. Pas mal les docks de Londres. C'est un ancien moulin, il devrait y avoir un monte-charge dans les normes. Un ancien moulin. Alors, infiltrer l'usine, entrer par la cage d'ascenseur. La cage d'ascenseur qui se trouve sans doute juste au-dessus. Sachant que c'est une caméra, c'est, rassurez-moi, ouais, c'est une caméra. Alors, lui, on va essayer de faire ça. Oh, c'était beau. Il n'a rien compris. Il y a moins que je défonce. Ok, bah d'accord. J'ai trouvé la solution sans même le vouloir. Du coup, tu vas gentiment prendre le tuyau d'ac... Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, j'aurais pu le choper et le faire descendre. Oh, même pas la peine, moi, je suis un malade. En tout cas, vraiment, décor splendide. Ce jeu m'étonne de plus en plus. J'ai beau pas y toucher trop souvent, alors que... D'ailleurs, c'est dommage, je... Ouais. Alors, normalement, je... Bref, voilà. J'aurais dû y jouer plus souvent. Mais vu que c'est les vacances, je vais avoir l'occasion. Ça, c'est parfait, ça. Je me ferai des sessions le soir. Alors, un type là-bas, enquêter dans la... J'ai un objectif. Bon, d'abord, on doit rentrer par le monte-charge. Alors, est-ce que lui, je pourrais le neutraliser éventuellement? Les snipers peuvent vous voir de loin et dans l'obscurité. Tenez-vous à l'écart de leur visée laser. Ouais, d'accord. Ouais. Non létal, c'est bon. Je suis en non létal. Lui, on va essayer de le contourner. Oups. Le snipe. Donc on va péter cette lumière. Pour l'instant c'est sécu. Déjà le snipe là-bas. C'est un snipe ça, ouais c'est un snipe. On va essayer de se rapprocher. Alors oui c'est pas l'espace. D'accord. Tu ne me vois pas, tu n'as rien vu, rien entendu. On va essayer de se faufiler par là. Voilà, toujours en couverture. Je peux utiliser mon arbalète aussi. Faut pas que j'oublie, paf paf. Alors le truc c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait un mec ici. Non ça a l'air sécu. Ok, tout dans la couverture. Bon. Voilà. En silence. Pour l'instant, je vois personne d'autre. Il y avait personne là-bas, non? Ok, ça m'a pas l'air très 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 rempli au niveau ennemi. On va que... Oh merde. Si, en fait, il y avait des gens. Alors, attendez. Non. Ah oui, c'est ça. On a un homme à terre. Voilà. Donc, il y a des mecs. Salut toi. Non. Comment je fais pour changer déjà le... C'est pas X? Vision sonar, vision nocturne. Non, vision nocturne, je m'en fous. Ah, quoique. C'est pas mal. Oh, putain. Voilà. Bon. C'était laborieux, je vous l'accorde, mais j'ai quand même réussi à le neutraliser. Ok, ça m'a l'air d'être sécu ici. Lui, je sais pas absolument pas d'où il sort. J'aurais peut-être pu... Attendez, j'aurais pu passer par ici. Ah non, même pas, non. Ce sont des portes fermées à jamais. Ok, bon, on va aller se rendre sur le passerelle. Personne en bas, on vérifie toujours. On sait jamais, il peut y avoir le... Mais si, en plus, il y a des mecs, parce qu'il y a encore la radio. Imaginez le mec parti pisser, vous savez, genre, bon... Ouais, attendez-moi les mecs, gardez mon talkie-walkie. Genre dans ce genre d'endroit. Putain, j'arrête pas de dire genre. Non mais genre, quoi. Personne. Ah, ok.
D'accord, le sniper. Alors lui, on va essayer de faire... Ah non, mais il est sur le... Ah, mais d'accord, il est pas tout seul. Ah, ils sont trois, d'accord. Allez. Bon, j'avais l'occasion, hein. Voilà. Oui, je sais, bon. Je m'excuse, mais bon. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Ah, pas mal cette zone. Du feu. Du feu, des morceaux de verre. Faut que je fasse gaffe à ça. Faut que je fasse gaffe. En tout cas, magnifique vue. On va pouvoir se faufiler. Bon, évidemment, ça paraît très très grand. Mais au final, vous voyez, on est parti de là-bas. Ouais, on est parti de là-bas, disais-je. Et ouais, bon, au final, c'est surtout un espace fait pour vous cacher. Mais bon, vous voyez, j'ai pas eu trop de problèmes. Et pourtant, je suis réaliste. Ok, on a trouvé le mont de charge. Attendez, y'a un mec là. Toi, je t'ai chopé. Ok, c'est par ici. L'objectif est en dessous. Si j'ai des échelles, je peux descendre, je sais pas où. Ah ouais, attendez. On peut pas. On va essayer. Non, prends l'échelle. On va essayer de passer par les fenêtres, ça va être drôle. Eh, attendez, autant utiliser toutes les possibilités que le jeu nous offre, je veux dire. Bon. Regardez, lui. Vas-y, viens, viens jeter. Voilà! Putain, j'ai eu chaud. Le mec a quand même. Regardez, bon, je suis pas dans l'obscurité, mais il a bouffé le verre, cassé de la fenêtre. Et vous voyez, c'est pas soi que ça comme entrée. Putain, j'adore, c'est glauque. C'est sombre, il y a de la pluie, j'aime beaucoup. Je crois que pour l'instant, c'est ma zone préférée. Il n'y a pas de la munition là, non? Alors, ça déjà, c'est pas bon. Toujours de l'obscurité, les amis, c'est la règle. L'obscurité. Ouais, j'aurais pu descendre par là, mais ça aurait été trop voyant. Alors maintenant. Vision sonar. Il y a quelques bugs sonores, hein. Je sais pas pourquoi. C'est étrange. Attendez, j'entends des talkie-walkie, c'est qu'il y a des mecs. Il y a un truc là. C'est une lampe. Ah merde, oui, quand on marche sur le verre, ça fait du bruit, hein. Ça au moins c'est réaliste. Ok, y'a personne. Toujours le zona, hein. L'ascenseur est ici, mon objectif est 45 mètres plus bas. Eh ben écoutez, y'a qu'une chose à faire, hein. Quoique j'ai peur d'avoir, dans cet endroit tellement grand, d'avoir loupé une clé USB ou une connerie comme ça. Bon, l'ordinateur, à mon avis, ça va pas être trop compliqué à trouver. Mais la clé USB, putain. Je vais en chier. Je vais en chier. Je vais en chier sévère. Allez, on glisse. Sam, c'est pas ça. On a identifié les hommes que Nouri a envoyés là. Il n'y a pas que des soldats. Tu peux pas être plus clair. Il y a tout un tas de spécialistes. Chimistes, snipers, techniciens. Ah, voilà. C'est une vraie dream team. Ça va être intéressant. Il y a sûrement aussi des chauffeurs professionnels. L'IMS la remorque depuis qu'elle a quitté l'usine. Elle a pris tous les tunnels et changé plusieurs fois de tracteur. On l'a perdu. Le chargement doit être lié à leur prochaine attaque. Compris. C'est super. Là, ça va être intéressant parce que ça combine un peu toutes les, voilà, tous les ennemis qu'on aura pu croiser. Attendez. Alors, vaut mieux, on sait jamais, hein. Autant rester dans l'obscurité, même s'il n'y a pas vraiment d'ennemis, parce que ça risque d'arriver. Voilà. Ça risque d'arriver. En général, quand il y a sauvegarde, faut se méfier. Bon, à mon avis, c'est en bas, hein. Putain, j'aime pas cet endroit. Putain, la musique stressante. Ah, un point de contrôle, super. Super, génial. Je récupère des munitions. Super. Ah, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie, j'ai le tri-rotor, les gars. Bon, ils vont sans doute me le rappeler, mais on va regarder. Ah, espace, couper le tissu. Ah, yes, il parle anglais. Brouillage. Ah, merde. Ah ouais, il y a des spécialistes. Oh, merde, ça va être... Tri-rotor, les mecs. Tri-rotor. On a de la crimo, mine choc, tri-rotor. Allez, je le lance. On va essayer de se faire ça. Donc, ok, comment on monte déjà? Monter. On va passer par là.
Ok, alors déjà, on va faire un petit repérage. Il y en a un mec. Où est le suivant? Où est le suivant? Sachant qu'ils peuvent me repérer, hein, je vous rappelle. Il parlait avec un pote à lui, donc c'est, ils sont forcément deux. Déjà, est-ce que cet étage-là est sécu? Ça a l'air, on dirait. Lui, on va essayer de le neutraliser. Alors, descendre. Voilà, c'est bien. Donc. Ah, le brouilleur, super. Alors, je sais pas si on va pouvoir le... Merde, putain, faut que j'évite de faire ça. Il est derrière cette porte. Putain, il n'y a pas moyen de l'atteindre. Venez. Yes, il n'y a plus de brouilleur. Merde. Bon. Super. Du coup... Bah je peux plus avoir pris autant. Et du coup ils savent que je suis là. Bon bah c'est raté. Faut faire gaffe. Ils sont... Oh putain. Non mais monte, crétin. Ok, c'est bon, ça s'est calmé. On va descendre. Putain, désolé si je parle doucement, mais là je suis concentré. Ok. Un là. Et l'autre là. Ok. Alors faudrait trouver un moyen de les contourner. Est-ce que je peux passer par là? Je peux pas passer par là, si. Si, je peux. Comment? Non. Ah, pour se cacher, ça peut être sympa ça. On va prendre l'arme secondaire pour avoir une puissance de feu honnête. Putain, c'est... Ah, il y en a un troisième. Oh, je peux les exec. Merde. Putain, j'ai failli faire le con. Non, 3. Voilà, toi, tu dors. Comme ça, ça fait pas de bruit. Et vous deux, si je pouvais vous choper... Oh, la doublette. Merde, évidemment ils sont séparés. Hey, j'ai besoin d'aide ici. Alors ce serait bien que vous rassembliez. Ouais, c'est ça, que vous rassembliez au même endroit. Fuck. Le mec il parle français. Fuck. Vas-y, c'est bien. Mais ok, ton pote il te suit pas. Hey, lève-toi. Voilà, c'est parfait. Vous dormez au même endroit les gars, vous avez vu? Entre potes. Petite sieste en... Ah, je peux pas bouger. Je vais être obligé de descendre, hein. Il faudrait que je pète ça, ça va les attirer mais je m'en fous. À moins qu'il y ait un mec là. Voilà. Fais dodo, bon toi je suis désolé mais... Ok c'est bon, on est dans le noir. Le noir. Et du coup il n'y a plus personne. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Il y a l'air d'avoir un autre truc. On va descendre hein, écoutez. Ça c'est bien ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, super. C'est du... Ah, ça aurait été génial de se faufiler comme ça. Vraiment, les zones ont bien été pensées, je trouve. Oh putain. Voilà. Toi, je t'avais pas vu. Mais voilà. Putain, le dernier, il m'a fait peur le camp. Hein. Bon, ici, ça sent... Voilà, ça sent l'endroit où il y a un... Non, je vais pas grimper parce que je vais péter la vis, ça va faire du bruit. Ça sent l'endroit avec un portable ou une clé USB à la con à trouver. Oh, une cigarette allumée encore. Ah, je suis comme ça, je suis un enfoiré. Je pète tout. Maintenant, il n'y a pas un... Ça, c'est le brouilleur, ça. Voilà, donc ça, tu frappes à chier. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de clé USB. Non, ni d'ordinateur à pirater. Hop. Ok, sauvegarde. Même pas. 17 mètres. C'est en bas? Ouais, c'est en bas. Continue à descendre, Sam. On dirait ouais, bien qu'il nettoie l'endroit. Il faut agir vite. Oh, il y avait un rat là ou...
J'ai cru voir un rat. Ah yes, génial, je vais pouvoir avoir mon trigotor. Et trigotor qui est vraiment très très utile, faut le dire, vous avez vu, j'ai pu en... Déjà j'ai pu neutraliser le brouilleur, ce qui m'a permis d'utiliser mon sonar finalement. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être sécu. Ok, on revient dehors. Oh, je le vois. Essaie de pas le perdre, Charlie. Ça va, le mec, regardez, il était avec son petit Bob. Son petit Bob. Il y a pas de conducteur, génial. Le camion conduit tout seul, enfin ça avance tout seul. Le mec était avec son Bob, il regardait dehors, tu vois, il était là. Ah, pas mal, la pluie pleut, je crois. Cuisine des airs. Ok, un gros et un mec avec un ordi. Ah bah oui, il y a toujours des geeks dans l'équipe. Non, j'ai que... Faut arrêter de prendre. Non, mais pas là. Pas là, crétin. Bon, alors lui. Voilà. Toi déjà, t'es un en moins, hein. Un en moins. Et il y a des rats, hein. Oui, il y a des rats. T'imagines le mec qui pète un câble devant un rat. Ah. Il veut qu'il se fait repérer. Ouh, putain, regardez-moi ça, ça fait peur. Regardez ça. Allez, vas-y, que je te fais des... Que je te fais de grands gestes. On va essayer de... Oh, ce serait magnifique. Alors là, ce serait magnifique. De les choper d'aussi loin, mais je pense pas les avoir. Au gaz soporifique. Est-ce que... Vous croyez que le gros mec, là... Je pourrais l'endormir. Oh, une pièce exiguë. Oh, super, ça, c'est un moyen de descendre. Vas-y, descends. Remonte. Le mec était là. Ouais, bon, je vais regarder par la fenêtre. Allez, vas-y. Bonjour. Pouf. Ok, il y a même moyen de passer par... Ah non, ça c'est un miroir, pardon, c'est une glace. Ok. Là, il y a de la lumière, c'est trop risqué. Putain, il faudrait déjà attendre... Ouh, attendez, j'ai l'idée du siècle. Ah, toujours prendre par l'extérieur, les gars, par les fenêtres. Il y a que ça de vrai. Ouvrir. Ah bah tiens, ça c'est la pièce où il y avait le... Oh ouais, il y a un endroit pour se ravitailler. Oh, mais j'ai une idée, regardez, trirotor, les gars. Trirotor, regardez ce qu'on va faire. Trirotor, on est des malades. Alors déjà, ce qu'on fait, premièrement... Hein, parce qu'on est des oufs. Alors, faut que j'évite de me cogner. On va passer par la fenêtre. Ok, le mec est... Coucou. Ah, merde. Non, ça, c'est bon. Non, je vais aller me suicider. Ah, mes munitions épuisées, quittées. Non, attendez. Attendez, on va se suicider parce que non. Ah, attends. Vas-y, tue-moi. Voilà. Ah, putain. Non, c'est nul parce que l'ordi de la Blacklist a été auto-détruit, ça je refuse. Bon, du coup, on va péter Marcel qui est avec son Bob. Je suis désolé, Marcel, mais... Oh. Putain, hey. Putain, j'ai réussi à viser la rambarde, hein. S'il te plaît. Allez, vite. On va faire ça vite fait. Allez, alors là, il y a ton poteau. Il y a Jackie. Donc Jackie de son sixième prénom qui va se... Mais putain, mais quitte cette zone de couverture. Et une balle... Oh, j'aurais pu me cacher dans les chiottes. Donc, est-ce que Marcel Patrick aurait l'obligeance de venir? Le portable est en dessous, il est juste là. Donc Marcel Patrick n'a pas vraiment envie de... Marcel Patrick est là. Ça va? Ouh. Ok, ils sont en bas. Donc faut que je fasse gaffe au gros mec. Oh oui, le mec dans son... Attendez. Alors ça c'est swag les mecs. Entrer par au-dessus, l'endormir, choper les trois mecs, pirater sans être vu, dans l'obscurité. Alors ça, $40,000 de prime.
Et en plus de ça, si je... Putain, merde, j'étais pas dans l'obscurité. Putain, y'a pas moyen de remonter maintenant. Putain, s'il te plaît, ne regarde pas. Putain, j'ai tiré avec l'arbalète. Putain, il va rentrer. Fou. Bah putain, heureusement que c'est du silencieux, hein. Nom d'une pipe. Et les Dugus qui ont rien compris. Bam, exec. Voilà. C'est ça. Mais sans péter la vide, s'il vous plaît, les gars. L'autre qui ronfle, tu sais, à côté. Non mais s'il vous plaît. Alors, oh bah c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, qu'est-ce que tu branles? Non, non. Mais non, retour. Ouais. Donc à mon avis c'est par là, hein. Oui, bah, normal, l'objectif nous indique là-bas. Coucou les gars. Je ne fais que passer. Ok, donc on va passer par ici. Putain, j'adore cette mission. J'ai dû dire ça plein de fois pour plein de missions, sans doute. Enfin, plein de missions, hein. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes encore. Mais... Ah, et cinématique. Dans le bureau central. Ces types étaient pressés de partir. Ouais. Je confirme. Des fichiers iraniens. Ouh. Unité Al-Qods. Ouh. Ça explique pourquoi ils tenaient nos réveils. Tant bon nom. Je les scanne. Si on avait besoin d'une preuve que l'Iran putain est derrière la clé, tellement technologique. Technologique. Putain, c'est complètement pété ce truc. Merde. Merde. Je jette un œil à ça. Je croyais que c'était un billet de 100 euros. Des zones d'effet en cas d'attaque. C'est quoi? Nucléaire? Bombe sale? J'en sais rien. Nucléaire. Bah oui, au moins, tu sais. Je vous envoie un manifeste de fret. Le mec, il veut. Ça secoue dans le buisson. Oh. C'est le dernier chargement ? Ouais, c'est bon, on a tout. Ok, bon, ces mecs qui sont sapés comme ça, okay, en mode technicien de surface. On traîne pas. Leur dernière cargaison va partir. C'est du poison ou de la merde. Abrix d'intervenir. Dis-lui d'arrêter le camion. Négatif. C'est notre seule chance de savoir où ils vont. Je vais poser un mouchard sur la cargaison. Ah ouais, attends. Ils ont des combinaisons hazmat, tu sais pas à quoi tu t'exposes. J'ai vu pire à l'entraînement. Si un seul garde te repère, tout est foutu. Tu oublies à qui tu parles. Oh, attends, elle parle trop là, j'ai l'impression là. Non, laisse faire. Ah oui, bon, alors ça c'était un petit problème. Ouais. Je prends ma pause. Toi, je vais t'endormir, mais d'une force, vous allez pas comprendre. Ah, lui, je l'avais pas vu. Alors attendez. Ne touchez aucun ennemi. Posez un mouchard. Attends, ne touchez aucun ennemi, c'est-à-dire. Alors, ne touchez aucun ennemi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, je dois pas leur tirer dessus. Ok, bah on va prendre cet ordre comme ça, hein. Ne touchez aucun ennemi, pour moi ça ne veut dire ne leur tirez pas dessus, hein, on est d'accord. Mais regardez l'aisance, la finesse. Salut Marcel. Merde. Ouais, donc c'est bien ça. Donc c'est bien ça, je suis désolé, mais quel idiot. Oh ok, ils ont rien entendu. C'est pas grave. Ils sont un peu cons sur les bords. Donc Merde. Oui, ah oui, mais oui, je devais pas le toucher. Vas-y, ça rentre. Rentre. Non, il est redescendu. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde?
qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est un laser ou quoi? Putain, ça faut... Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Tu t'avances, là? Ah, ouais, d'accord, c'est lui. Putain, c'est ce truc. Il faut que j'attende qu'il parle et il faut que je fonce. Ok, là je suis parfaitement couvert. Oh la vache! Comment je vais faire ça? En plus, c'est quoi qui fournit de la lumière là? Oh, c'est ce truc là-bas. Oh merde. Oh merde. Non, merde. Ok, bon, je suis stupide. Bon, faut absolument pas les toucher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à fond. Je vais attendre qu'ils discutent et je vais foncer. Ah non, là, je fonce. T'as l'autre abruti avec son tank. Donc là-bas, là. Ok, pas de problème. Donc faut qu'on finisse cette mission. Putain, mais le problème, c'est les lumières. Hein. Allez, allez discuter, les gars, fais-moi plaisir. Va discuter avec ton pote, là. Regarde, il y a Michel qui est déjà prêt. Maintenant, André, faut que tu y ailles. Ah, merci. Bonjour. Je ne suis pas là. Oh les mecs quoi. S'il te plaît. Et là c'est de la haute voltige. Ce sont les composants d'une arme chimique. Un dérivé du gaz VX. D'accord. L'intuition. Oui. Une bombe dans une boîte de confinement. Je vais l'ouvrir. Sam, si c'est une boîte de confinement, tu cours un vrai risque d'exposition. Pour que ça marche, je dois planquer le mouchard. C'est notre seule chance. Quelques microgrammes de VX peuvent être mortels. Salut André. Ah bah oui, ça va être mortel. Ah non, il a un masque à gaz, l'autre. Sam. Ça va. Le mouchard est placé. Putain, c'est sophistiqué leurs armes à la con. Hein. Je sors. Ils y vont pas avec des pistolets à eau. Hein. Ok, le mec, je sors, normal. Attends une seconde. Quoi? J'ai enregistré les appels qui transitent par l'antenne téléphonique près de l'usine. C'est haché, mais écoutez. Envoyez-la à l'ouest. Intervertissez les chauffeurs sous le pont. Et puis partez. L'IMS trouve une correspondance partielle de la voix. Il y a des chances pour que Sadik soit dans le complexe. Envoie-moi sa position. Ok, bon, c'est pas terminé en fait. Je vais devoir aller le chercher. Tout de suite. Bon, ça, ouais, bon, ça risque de durer longtemps. Si je veux le sortir demain, l'épisode, ouais, il va falloir que je monte. Hein. Ok, c'est pas fini. Il est où l'autre enculé, là? Tu ne peux pas sortir tant que ce camion n'est pas parti. Je reste discret. Allez, les gars. Allez, vas-y, va No, to you pilot, ok? Je sais, ça va, je viens de dire n'importe quoi. Il y a une radio de merde en plus, j'ai tellement envie. Oh, ça me démange, ça. Mais merde, mais. Ah, mais le type il vient devant moi, quoi. Tu ne peux pas sortir tant que ce camion n'est pas parti. Je reste discret. D'accord, le mec il se fout devant, tu sais. J'attends. C'est... Oh merde, 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 merde. Oh oui, putain, fallait le trouver. Oh, oh là là. Fallait le trouver, le saligo. Et vous voyez, il faut toujours fouiner dans le jeu.
fouiner, faut trouver les zones comme ça. Donc je suppose que la clé USB, je vais l'avoir. Ok, bon, alors vas-y, partez là. On vous garde. Alors, si je pouvais atteindre... Non, je peux pas choper ça là, par exemple. Si, je peux. Non, je peux pas. Monte. Il y a moyen que tu descendes là, non. Je croyais qu'il devait partir, le mec. Comment je fais, moi? Ok, le mec vient de se téléporter. Tout est normal. Bon, qu'est-ce que je fais? L'autre, il regarde par la fenêtre. Attends, si je peux... Voilà. Allez, go. Go. Oh yeah. D'ouvrir le feu. Merde. Si Sadik est ici, c'est qu'on est au cœur de l'opération. Tu vas droit dessus. Sam, Grim, le camion est en route. Mouchard activé. On va pouvoir suivre ce bijou jusqu'à l'autre bout de la planète. Ok, je dois capturer l'autre enfoiré. Sachant qu'il y a un docker. Il y a un docker. Putain, la super bonne idée. Lui, je dois le capturer, je dois buter tous ces... On dirait qu'il est mort. Ah ! Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Putain, c'est le gaz, là ? Non, mais dites pas que je suis exposé au gaz. Putain, il y a... Oh ! Merde. Ok, l'autre, il a rien compris. Je sais pas combien ils sont, mais on va les avoir. Faut que je fasse gaffe, apparemment je suis exposé au gaz. Donc, putain, ouais, je tousse. Faut que je fasse gaffe, faut pas que je me retrouve à côté d'un mec en... Alors déjà, tout. Et merde. Mais non, pas là, stupide! Viens m'aider à chercher ici! Mais... Oh merde! Merde! Mais descends, idiot! Mais descends! Non, là j'ai chié. Oh merde, je dois tout recommencer. Oh bah je vais les avoir. On va essayer de se marier au Trirotor. Putain, je suis deg quoi, le dernier clampin. Putain, je suis deg. Allez, avance. Lui, c'est toujours celui que je dois garder. Putain, oh oui. Allez, descendez, un par un. Allez, à la queue le. Voilà. Descends. Tu vas voir ce que Papy Jacob a pour toi. Voilà. C'est bien. Bah. Maintenant, au suivant. Suivant. Et lui. Oh. Magnifique. Superbe. Du coup, t'es... y a plus que celui-là. Choper lui. Le mec reste debout, tu sais, en plein milieu. Je reste là. Oh! Oh! Ah bah je l'appréhende. Ah bah voilà, c'est tout. Si vous recherchez ces codes. Et ben voilà, il y a qu'à demander. Et maintenant on se tire. Wouah, les mecs. Ouvrir. Ouvrir. Oh. Sam, je surveille
Putain, mais c'est qui eux? C'est vraiment pas terrible. Donne-moi un signal et j'arrive. Non, mais sérieux, quoi. Vous couvrez ma sortie. Mais c'est qu'est-ce que... La priorité. Ah! Ah, c'était que lui! Ok. Bon. Ah non, mais pas là! Triple buse! Mon dieu. Ok, bon, j'ai compris, faut que j'aille tout droit. Mauvaise nouvelle, il y a une station de décontamination qui te bloque la route. Laissez-moi sortir. D'accord, génial. Mauvaise nouvelle, en gros, chope-toi le cancer et bah voilà. Pour passer, quoi. Allez, avance. Non, mais il peut pas. Il peut pas, le salaud, il peut pas. Il est trop gros. Y'a pas moyen que je passe par là. Non. Non, 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 non. Comment je vais faire, moi? Vous m'expliquez, les gars? Je fais comment? Ah, bah si, c'est là. Mais descends! Exploration. Bah super. Ouais. Je peux pas descendre. Oh mais si, putain, il y avait une plaque devant moi. Oh. Putain, il faut vraiment ouvrir. Je vous dis, il faut ouvrir les yeux quand vous jouez. Bon, en même temps, c'est normal, tu vas pas jouer les yeux fermés. Vas-y, descends. Hop. Oh, putain, les chiens. Et en plus, je suis bourré. Oh merde. Et en plus, il y en a pas qu'un. Merde. Oh. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Merde. Ah, il a dû souffrir à mon avis. Il courait encore. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de chien. C'est un mec là-bas? Non, c'est que lumière. Putain, je suis complètement stone là. Oh, c'est Nawak. Je suis stone. Du coup, j'ai pas trouvé cette clé USB à la con. Dommage. Bah, si je... Allez, monte. Comment il monte ça? Hypertension, tachypnée, tachycardie. Ah ouais. Sam, tout indique une exposition à un gaz neurotoxique. Ah ouais, merde. Je vais bien. Ouais, c'est sûr que là, il monte à 2 à l'heure. Ah oui, je vais bien, ouais. C'est sûr, tu montes droit, là. Tu montes très droit. Bon, j'aurais pas eu de clé USB, là. Oh non, j'ai 50 mètres à faire. Oh, ça, c'est vache, ça, d'avoir... En plus, ils ont foutu des ennemis, je suppose. Bonjour. Hey, salut, Jackie. Bonjour. Ah, d'accord, faut pas se faire repérer. Libre. T'as, je suis un ouf. Il te faut un médecin, Sam. Reste. Il ne répond plus. J'y vais. Sam, tu me reçois? Ah d'accord, fallait te repérer en fait. D'accord, fallait te repérer. Bon, ça me rassure parce que je me serais pas tapé tout le chemin comme ça. Hein. J'ai déjà vu mieux comme accueil. Bonjour. Oh, oh. Tiens, prends ça. Je t'ai donné un ordre. Oh. Je croyais que... Ça t'apprendra. Ouh, ça t'apprendra, ça. Ouh là là, là là. Hey, c'est le grand Manitou, là, c'est le grand patron. Ouh là, il y a eu un bug de son encore. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est Nourri qui t'a mené jusqu'ici. Encore des amis renseignements.
Félicitations. Réponds à ma question. Réponds. Rends-toi. Je te laisserai peut-être vivre. Oh, oh la provoque, ça, c'est jamais bon. Alors, la provoque. Qui tu es, toi? C'est jamais bon. Un Américain, on dirait. Oh. Ça, qu'est-ce que c'est? Un 40 bits. Un 40 bits. Tu t'es entraîné à l'étranger? Force spéciale. Mais je me demande bien lesquelles. Un 40 bits. C'est un mystère. Ouh. Qui es-tu? Je suis une luciole. Je suis le type qui va te tuer. Oh. Ah. Parce que je suis au-dessus des lois? Ou parce que je tue pour une cause? Si c'est le cas, on se ressemble beaucoup, tous les deux. Ouais. Tu assassines des innocents. Allez, bim. Ça, c'est dans tes dents. Parce que j'aime pas ta barbe. Présidente envoie des types comme toi dans des pays où ils n'ont rien à faire. Je t'emmerde. Oh, oh. Où est ton équipe? Mais j'ai pas d'équipe. Dans ton cul. Juste ici. Salut, ma poule. Oh, oh. Putain, le mec, c'est Lucky Luke. Ce type, ouais, il a bu trop de Red Bull. C'est un Makarov. Il presque une balle. T'as pas intérêt à te planter. On parie? Parce qu'une seule me suffira. Descends-le, Briggs. Non, négatif, Sam. Vas-y, tire. Tue-le. Briggs, il faut faire quelque chose. Ces signes vitaux sont en chute libre. Tu avais tort. Tu avais tort. Oh, ce drama. Oh, me dis pas que je vais jouer Briggs. Non, on va se casser, évidemment. Bah, ce serait trop beau. Va stopper, sadique. Sadique. C'est un ordre. La tropine ne suffira pas pour que Sam puisse s'en tirer. Montez sur le toit, vite. Oh là, putain. Et... Et... Oh! Procéder à l'extraction avec Briggs. Ah là c'est bon. Ça va Sam? Non ça va pas. Foutons le camp d'ici. Ouais c'est clair, cassons-nous, ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? C'est qui? Et voilà, je m'en doutais. Attention, fumigène. Ok, ok. Passons en thermique. Ils sont trop nombreux pour les prendre de face, je vais les distraire. Pourquoi je peux... Toi, tu passes sur le côté. Ah merde, j'ai plus mon masque. Oh putain de casque. Oh. Holy shit, you are the fire in the ass. Oh. Putain mais ça fait... Eh les mecs. Ok. Bon. Ça, ça veut dire que j'ai pas employé la bonne méthode. On va refaire, ne vous inquiétez pas. Putain, ça fera une heure d'épisode. Bouge ton gros cul là s'il te plaît, merci. Alors... Ah mais c'est chiant ça les bugs de son. Pourquoi il m'a envoyé une grenade en plein dans la tronche? Putain il y a des bugs de musique. Putain ça c'est le jeu ouais qui est un peu moisi développé hein à la pisse là. Oh. Ça c'est pour Bibi. Alors là t'as Jackie, là t'as André. Ouh t'as rien vu. Voilà. Oh yeah. J'ai fait ça toute ma vie. C'est pas fini? Qu'est-ce que tu branles? Secteur nettoyé. Non d'accord. Ah d'accord, et bah t'as... Oh. Pourquoi je... Ça va Sam? Ouais. Sam? Oui oui. Cours. Cours triple buse. Et cours. Ok. Ok. Vous y êtes presque, derrière la double porte. Ok.
plus de casque. Bing, bing, bing. Après mon épisode de Elle est noire, sauté de chapeau. Mais alors là, c'est pire que ça. Hein. Oh ouais, j'ai pas... Allez, regardez. Eh. J'ai fait ça toute ma vie, je vous dis. Voilà. Y'a que ça de vrai. Y'a que ça de vrai. Allez, on y est presque. Ça fera une heure de vidéo, c'est parfait. C'est où? Ah oui, c'est là, y'a une porte. Et une cinématique. C'est bon. C'est dégagé. C'est dégagé. Game, valise installée. L'hélico est en route. Bonjour. Ouh. Oh, le coup de taser de la mort. Franchement. Mon couteau. Mon carambite. On aurait pu en finir. On tenait sadique. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Finir le boulot. Moi, X. Y'a rien de plus important. Ni moi, ni toi. Rien. Ouais, c'est quoi cette mentalité là-haut? Fous-moi la paix. C'est fini, Briggs. C'était ta dernière mission. Oh, le drama! Oh, le drama! Le drama! Oh, oh. Oh, le drama. Oh, putain, c'est dur hein, quand même. Hein. Oh, il a abusé. Bon, ben, mission terminée, j'ai plus $1 million. Total Phantom. Ouais, Total Phantom. Bon, elle est passée. Oh, au final, j'ai pu jouer Panthère. Je pensais avoir fait Phantom. Tiens, bon, voilà, au final, je vous ai dit. Bon, on a fait un peu assaut, évidemment. Mais à la fin, bon, voilà, c'était un peu chaud. Non, c'était parfait. Allez, petite cinématique de fin, puis on va se laisser là. Merci, vous m'enverrez les résultats. Je suis pas bourré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas encore tiré d'affaire, mais ton état est stable. Pas moi, Zadik. Parti, mais le mouchard est toujours actif, on sait où est la bombe. Sam, non, il te faut du repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir les infos qu'on a sur l'Iran. La présidente a fait une déclaration hier soir. Le pays a soif de sang. Alors pourquoi on est encore là? J'avoue. Parce que Grimm ne croit pas que ce soit l'Iran. Tu n'es pas censé reconfigurer le système. Oh, allez, va bosser, larbin. Oh là quoi là. À chaque fois qu'ils ont laissé des indices en évidence, c'était pour mieux nous tromper. Ils ont peut-être paniqué. Sadik n'aurait pas été là s'il avait su qu'on venait. On ne peut pas risquer une guerre s'il reste le moindre doute. Tu as raison. C'est une décision trop importante. Ce qui veut dire qu'on a du boulot. Je te relève de tes fonctions. Je sais pas, le mec qui vire tout le monde à tout va. Je sais pas, c'est pas moi. Hein, oh. Allez, terminé les mecs, c'était magnifique. QG de mission spéciale. Oh, bah c'est super, pas la grille, mais le paladin. On va faire ça et puis on va se quitter là-dessus, ça fera une heure. Je suis désolé. Je suis désolé, mon petit Briggs, hein. Tu sais que je t'adore, hein. Mais bon, parlez. Grimm, qu'est-ce qu'on a tiré des documents qu'on a trouvés à Londres? Apparemment, leurs recherches sur les armes chimiques sont liées à l'IHU. Une des universités gérées par les gardiens de la Révolution? C'est ça. Le rapport avec la Blacklist est flou, mais ça n'empêche pas l'équipe de Caldwell je d'avoir suis... de très sérieux soupçons. Flou. L'opinion publique va vouloir un coupable. C'est certain. La prochaine attaque les désignera et Caldwell devra démissionner. Alors ce sera la guerre. La guerre. La guerre. Ouais, bon bref, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est améliorer le paladin. Paladin. Alors, cockpit. Le cockpit. Alors, non, je déconne. Débloquer le prototype de mitraillette et fusil à pompe. On va tout améliorer vu le fric que j'ai. Hein. Allez, salle de commandement. Relever l'emplacement des clés USB sur l'interface. Putain, ben voilà. J'aurais dû faire ça. Infirmerie, régénération plus rapide. En solo et en coop, ok. Quartier de l'équipage. Déverrouille un emplacement d'équipement perso et solo, ok. Ah oui, c'est cher quand même. 96 000, blocs de détention. Débloquer cette arme, acheter au marché noir. Débloquer cette arme supplémentaire, acheter au marché noir. Ok, pour ça je m'en foutais. Une capacité de transport accrue permettant à échelon 4 de larguer plus d'équipement. Ça je l'ai déjà fait. Dévoiler les autres emplacements, ça je m'en fous. Régénération encore plus rapide, ça on va le faire. Parce que c'est important. Révéler l'emplacement des portables et de la blacklist et des cibles recherchées. Ça c'est hyper important. En plus je gagne de l'argent en dépensant, c'est super. Attendez. Débloquer les prototypes de pistolets, fusils de... Ouais, ça c'est énorme, fusil de sniper, je veux. Et portée du ras. 130 000, j'ai pas assez. Ok, je me suis uriné, les gars. Mais au moins, on a un putain de paladin de la mort qui tue. Un truc de ouf. Ok, en tout cas, bah, je pense qu'on a terminé. Il nous fait le chargement de la mort.
Allez. Oh, regardez-moi ça, c'est pas la classe, ça. Ça a changé carrément. Oh putain, ouais. L'IMS est encore plus classieux. Yeah, pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que les amis, que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et portez-vous bien.